bienvenue sur Mighty Promo, un nouveau live, un nouveau podcast. Richel, Richard Cave, je vais tourner back encore. Back under HMI, est-ce que c'est pour bon ou bien? Pour qui ça? Où change photo ça? Photo Betty Cadillac là. En robotique là. Fabien, nous sommes Mighty Promo. Abonnez-vous ensemble avec Chanel ça, cliquez sur la belle notification. Hein? À chaque moment que nous voyons un nouveau live pour qu'on recevoir. Et vous qui fait ça déjà, nous apprécions ça. Vous faites nous arriver à 3000 épiques abonnés. Nous vous remercions pour ça. Vous même qui vous cliquez, cliquez, abonnez. Pas oublier, vous pouvez jouer nous sur TikTok, sur Mighty Promo. Checkez nous là. On entre dans le live là, vous ne pouvez pas prendre pause. Richard Cave et Richel, dans un nouveau track. Un nouveau track, eh bien, avec une couleur qui est jaune et vert. Nous connaissons qui ça vert lui-même lui représenter et qui ça jaune lui-même lui représenter. Jaune couleur trahison pour qui ça et mis avec couleur ça et bien que messieurs dames ça yo paraît. Et pour bout moi ça grand pile parlant pile au niveau des albums qui va sortir. Gè trois albums et bien plus moun ou bien gè plus attention sur yo ou bien nan ki des micro nan parler de Beijing Cadillac classe et disciple. Est-ce que Richel ensemble avec Richard Cave sont en collabo son album eh bien qui a annoncé sous connait de lui. Faut pas oublier la gros commentaire fait connait est-ce que son album qui a annoncé ou bien est-ce que son text pressing qui a annoncé. Mais simplement ça n'a suivre là au niveau de numéro yo. Comment numéro pralier pour bout jour ça qui va venir là. Pas oublier Beijing Cadillac la nouveau musique vidéo que sorti hein. De text pressing là, eh bien, dans 7 jours, il y a 1 million views. Mais il y a plus toujours. Vous qui êtes fanatique de Beijing Cadillac, tête frette. Tête frette, parce que en plus, la musique vidéo a sorti ce maintenant là. La musique vidéo a sorti, pas bien, il y a un café impact sur l'autre. T'as dit bien ça que Abdoul là. Il y a un café impact sur l'autre. Mais en nous garder au niveau de. Des musiques vidéo, musique que Richard Cave chante ensemble avec Richel. Est-ce que vous fait outio entraîner ou bien vous fait outio et même côté au lagué et au niveau de fanbase Richel. Non pas fanbase Richel là, yo paraît en pile hein. Fanbase Richel là, yo réellement paraît. Moi même pas. M'pas ouais que Richel go fanbase qui est tellement agressif que ça que gagne fois c'est jouer que on fait outio parce que jusqu'à maintenant là nous pas gagne artiste haïtien qui a 1 million abonnés sur YouTube non nous pas gagne ça pour tout parcours que Richel a fait dans la musique là tout ça qui a fait tout ça qui a parlé même pas ouais fanatique qui pote bourré vrai pas pote bourré est-ce que musique ça track ça que Richel et Richard Cavien est-ce que on va le poton est-ce que on va le faire succès pour bout jour ça qui a venir là. Est-ce que yo pral faire routio pour bout jou ça k'ap venir là parce que nous-mêmes nous pral suivre number yo nous pral suivre number yo nous pral parler sur musique ça en pile nous pral parler sur les en pile pas oublier nan dernier featuring que Richel fait ensemble avec Richard Cave hein qui était grand pile parlant pile là-dedans au niveau de performance les Richard Cave pral jouer eh bien Richel t'ai pas joué ensemble avec Richard Cave et nous changer en pile parler en pile qui était fait au niveau de Richel t'ai dit pas jamais jouer ensemble avec Richard Cave encore. Et tout ça a été répété. Il te dit pas j'aime jouer tout ensemble avec Woody Woodboy. Il te dit pas j'aime jouer ensemble avec Phantom. Et Phantom c'est seul monde. Le Richel te dit que le pape joue ensemble avec qui te monté et qui te parlé ensemble avec Richel au niveau de ça le fait ensemble avec Richel. Et jusqu'à maintenant nous changer et bien bon tout dernièrement là et bien que Phantom lagué au niveau de Richel il fait connaître que Richel son monde qui et comment dire pas lagué comme ça non un gars. Et monsieur te lagué comme ça il dit comme ça que au niveau de carrière c'est monde pas jamais dit ni participer ni performer ensemble avec encore parce que il pas gain reconnaissance au niveau de ça monde fait ensemble avec. C'est pas nous même qui dit mais c'est Phantom lui même qui te dit. Nous connaît et Richard Cave les gain problème dans Richard Cave les gain problème ensemble avec un artiste il pas mettre l'eau dans bouche pour simplement pour dire mais qui ça passé parce que monsieur pas ni tant après ni demain. Et bien, monsieur, il réagit pour le dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que des fois, monsieur qui nous a fait
faire en professionnel et Jean la privé sous ça l'a dit des artistes là. Nous changer discussion que tu as pété between et Cadillac ensemble avec Richard Cave et au niveau de musique pendant un festival que festival Miami ou bien les ou bien New York comme ça c'est pas quoi c'est pas dans qui côté programme ça t'a fait les Cadillac t'es joué avant que Richard Cave était besoin pour jouer avant pour musique t'es capable performer mais t'es gain en pile et retardé au niveau de performance yo et bien Cadillac lui-même t'est performé même musique ça ensemble avec Bedjin les Richard t'est venu monter et bien lui-même il s'est dit que ça que bon et c'est original là mais original là c'est lui-même qui vrai musique là au champ de discussion et pas oublier en dans grande musique ça et bien et qui t'est grand pile parlant pile là son musique tout que Bedjin lui-même il mettait en pile coup de plume dedans et Cadillac tout il participait là-dedans et on connaît gros problème entre deux de Richard Cave ensemble avec Cadillac au niveau de Karimi Nation tout ça yo et parce que gen les c'est eux même qui était en travail ensemble avec Cadillac en peut-être dans quelques projets qui ont été ensemble et nous pas connaît est-ce que on joue même gens je dis là Richel retourner back ensemble avec Richard Cave pour paraître avec un nouveau track. Est-ce qu'on peut venir jouer un Cadillac on l'est ou bien Bedjin qui peut paraître ensemble avec Richard Cave notre track. Et est-ce que nous pas dire ça que it will be the battle of the ages. Est-ce que ça que nous pas deal. Est-ce que ça que nous pas deal. Je dis là en presque combien mois que nous était pour année à finir là. Pour année fini. Est-ce que Richard Cave ensemble avec Richel a cherché un album de l'année? Nous pas connaît. Nous pas connaît est-ce qu'il a cherché un album de l'année? Est-ce que Ticket Magazine baguette tant de photos ça pour le mettre sous? nous pas connaît parce que nous c'est Mighty promo. Est-ce qu'il y a pas un album de l'année? Est-ce que c'est pas on stratégie tout au niveau des albums qui va le dehors tout? Mais pas oublier, nous tout ça déjà. Il y a pile album qui va le dehors là, il y a album l'autre album va jouer gros rôle sur pour le grand pile impact. Pas oublier en 2023 Kai va sortir plus bel album ni. Zafem va jouer gros rôle au niveau des albums Kai là. Et Michael Giran dans interview, il dit comme ça que album Zafem dans joue gros rôle sur album ni, qu'elle sort un bel album pour même qui connaît musique et bien après Richard Cave sort un et Michael Giran sort un bel album. Un bel album Michael Giran sorti mais Zafem li joue un gros rôle et jusqu'à maintenant là m'a regardé performance Zafem dans Miami là dans Little Haiti là Zafem nan gen la pour deck et pour une génération j'aime le là Richard Cave back ensemble avec Richel dans un track et média recherche le connaît pour nous chercher connaît na la gueule na porter pour famille Mighty promo yo et nous pas connaît est-ce que c'est on collabo en track seulement ou bien est-ce que c'est un projet et nous pas venir jouer peut-être album Richard Cave ou bien album Richel pour finissement année 2024 là c'est le fait comme ça ou bien est-ce que c'est pas une stratégie. Bedjin Cadillac pour que j'aime annoncer qu'il est album la sorti. Et nous disons ça que impact qui a joué dans l'album ça yo classe qui annoncé pour moi novembre discipline même Gazmona fait pile interview dans pile radio et avant yo changer dernier podcast que nous faisons nous parler de impact que média va jouer rôle que média va jouer sur trois gros albums ça yo mais on seul bail qui a sauvé un album yo qui en dans trois albums que moun plus a temps de parler de l'air qui c'est Bedjin Cadillac là nous disons ça que impact Bedjin Cadillac capoté sur tout l'album ça yo impact média tout capoté sur l'album Bedjin avec Cadillac là est-ce que Bedjin à Cadillac va faire le même avec Zafem by média on côté pour Chita faire route lui ensemble avec fanatique tout ça ça sont gros prêt ou bien un gros question pour là une réponse pour lui. Yo track nous avons suivi numéro yo pour nous voir comment parler. Pas oublier au niveau de musique Richel fait ensemble avec
et Richard Cave les featuring que n'poko jamais gain les fait top succès li toujours en font traîner avant que li fait li fait outli et n'a suivre musique ça avec un peu l'attention est-ce qu'elle va arriver péter plafond et s'il péter plafond qu'est-ce qu'il va le faire est-ce que fanatique Richel le côté bouer vrai nous Richel c'est Richel gon un bon fanbase mais fanbase Richel là c'est fanbase qui puis paraisser en dans HMI on fait une base qui puis paraisser yo simplement là pour yo jouer simplement mais yo pas la vrai pour succès artiste là parce que Richel pour arriver on million abonnés sur YouTube et si ben j'ai dit là que fait 1 million abonnés sur YouTube en vent Richel yo met ba yo ni bag la ni couronne là yo met ba yo ni bag la ni couronne là si Beji Cadillac si fanatique Beji Cadillac peut te bourrer puis yo fait 1 million abonnés et fait album Beji Cadillac pour sortir pour le platinum et l'endi platinum pour faire billboard et bien s'il fait billboard ça veut dire là Richel met a fait ba et Queen y a fait discussion pour lui hein. Je vais tout pas parler de Queen encore parce que si Beji Cadillac sorti premier album yo fait billboard même j'en ça fait me défel mon acheter album non yo fait billboard et ou même qui a sorti premier album qui pourquoi j'aime faire billboard même ça on va bien connaître ou parler les légendes ou bien icon pareil comme ça si j'en yo pas si yo fait histoire pas parler pour tête li je vais parler pour tête li parce que en dans HMI artiste pas quoi dans ça créer yo pas quoi dans ça créer vendre album nan konya c'est question de views c'est question de views après ça payer moun pour faire TikTok challenge payer pour bail TikTok challenge pas mener aucun côté me dit non ça déjà nous besoin de travailler ensemble avec nous faire musique nous number one en TikTok on travaille ensemble avec vous besoin de travailler ben nous job nous travaille ensemble avec vous va nous comment pour target et fanatique yo on comment pour target média social là mais pour arriver dans destination eh bien n'a style quotidien pour créer pour gagner views simplement dis moi là je vais dans pile bail monsieur Richel back ensemble avec Richard Cave est-ce que ça va le porter succès en HMI qui ça l'a venir devenir pour en finissement année 2024 là est-ce qu'elle va venir paraître comme un drama ou bien comme une histoire ou bien comme un story parfait c'est comme ça qu'il va paraître pas bien c'est mighty promo abonnez-vous à la chaîne ça cliquez sur petite belle notification à chaque moment que nous voyons un nouveau live pour qu'à recevoir pas bien nous tout ça déjà Richel grand pile fanatique fait une baisse en fort mais c'est fait une baisse qui puis paraître parce que Richel t'a supposé dépasser 1 million abonnés sur YouTube il a supposé faire le déjà et il a supposé faire le déjà qu'est-ce qui a pété plafond pour faire de bouffel, eh bien, tout le monde met parler de honnête. Tout le monde dit, you are the best, de bouffel. Merci à tous les invitations. Bye bye.